algorithmes et voir qu'en fait, c'est pas scientifique du tout. Dans le bouquin, on est en 2040 et il y a plus que des voitures autonomes. Et donc il y a une Apple Car et une Google Car sur la Ginest qui vont se percuter. Et au moment où elles vont se percuter, elles s'échangent vite des données, parce qu'évidemment, il y a une interopérabilité entre... C'est déjà le cas aujourd'hui, hein, les machines automobiles. On sait déjà le faire assez bien, d'ailleurs. Et elles disent, qu'est-ce que tu as dans la voiture? Il y en a une qui dit, moi, j'ai un petit vieux en insuffisance respiratoire, et moi, j'ai trois étudiants qui vont à un examen. Et donc, ils tuent le petit vieux. La voiture met le petit vieux dans la... Ça, c'est parce que ça a été programmé par des Français. Si on fait programmer par des Asiatiques ou des Chinois, ou des Africains, ils vont garder le petit vieux, ils vont tuer les jeunes. Si on fait programmer par des Corses, ils tuent tout le monde. Il est Corse, je tiens à préciser. C'est parce que c'est la fatalité, on va pas commencer à se mêler. Et,